Bien, bonjour à tous. Vous pouvez, si vous voulez, bonjour Suzanne. Hi, my friend. How are you? Hi. So, let me just close this up. Vous pouvez, si vous le voulez, je vais donner l'autorisation. Asseyez la, le son est activé. Vous pouvez activer votre son et activer votre vidéo. Donc, en bas à droite de votre écran, en bas à gauche de votre écran, vous voyez que vous pouvez activer votre son et que vous pouvez activer votre vidéo. Sylvia, je vois que tu as réussi à mettre ton micro normalement, mais je vais vous demander de démarrer votre vidéo pour qu'on puisse vous voir. Oh, il y a sorry. D'autres personnes, non, c'est bon, ma chérie, c'est OK. Et on va voir, il y a certainement d'autres personnes qui vont venir, et puis peu importe. OK, alors Karine et Amia. Karine et Amia just want to hello. Voilà. Nolan, tu peux mettre ta vidéo? Yes. Hop là. Voilà. Coucou. Amia est là. Coucou. Bonjour. Bienvenue. Et puis Karine et Sylvia, on verra. Et on verra qui va se joindre à nous. Ça va être super. Let me introduce you. And I'm going to explain to what's going to happen tonight and how it's going to work with me and you and everything. Pour ceux qui sont en train de nous suivre sur Facebook, vous pouvez nous rejoindre directement sur Zoom. Alors, attends, je vais peut-être mettre le lien. Ce serait peut-être pas mal. Oh, mince. Alors, attends. Ah, j'ai fait quoi? J'ai fait un truc. Ah, je ne vois plus rien. Ah, ça, c'est intéressant. Ah, oh, c'est intéressant, comment est-ce que je fais ça? Alors, heureusement, je vois Amia qui est là. Tu me vois, Amia? Oui. Alors, ça, voilà, ça y est, j'ai compris. Admettre. Je vais mettre sur Facebook le lien. I forgot to say to people that they could come, you know, that we are live right now. Let me see if this works. Should be working. Yeah. So let me see. Alors, je vais mettre. Rejoignez-nous. Je fais ça. OK. Alors, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir mon amie avec moi, Suzanne Belander, qui est au Costa Rica et qui est suédoise. Donc, on parle en anglais ensemble. Natalia, si tu veux, tu peux activer le son et tu peux mettre ta caméra si tu en as envie. Et en fait, bonjour Natalia. Alors, on ne te voit pas, on ne t'entend pas. Voilà. Micro. Ah mais non, mais t'es, alors je sais pas qui est-ce que, mais il n'y a pas de souci Amia, tu peux partir et tu n'es pas obligée de mettre ta vidéo. Ah super, pardon. Non, non, pas de souci, pas de souci. Merci. Caro, tu peux mettre ta vidéo si tu en as envie et ton micro, tout est libre ici, d'accord? Okay. Donc ce soir, on a, j'éteins ton son en attendant, voilà. Ce soir, on a le plaisir d'avoir mon amie Suzanne qui est là et qui est là pour répondre à vos questions. C'est vraiment un lieu. Moi, je me suis fait baptiser il y a quelque temps, Suzanne aussi. I was baptized not too long ago, Suzanne as well. Donc, je n'ai pas de doute par rapport à ma foi. I don't have any doubt about my faith. Mais il y a encore des gens qui peuvent se poser des questions, qui sont soit déjà baptisés, soit ils y pensent, mais ils ont des questions parce qu'on vient, enfin, moi, je viens du New Age, donc je sais qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui viennent du New Age et qui vont se connecter à nous. Et donc, on est là pour répondre à vos questions. Donc, c'est un endroit. This is a place that is very peaceful. Il y a beaucoup de paix. There is no judgment. Il n'y a aucun jugement. Vous allez pouvoir poser les questions que vous voulez. You can ask any question you want. And we are really here to make it easy. On est là pour rendre les choses faciles et simplement pour vous et pour apporter plus de clarté, to bring more clarity. OK? Suzanne, do you want to introduce yourself a little bit so people know who they are dealing with? I think you're better. You know what they need to know. Okay. Donc, Suzanne est mon amie. Elle est just take it in French. Yeah. Ouais. Elle a été ma prof de design humain.
D'accord, elle n'a jamais vraiment été dans le New Age. Jamais. Hein. Même moi, quand j'y étais, elle était un petit peu à côté. Mais c'est quelqu'un qui était très dans sa souveraineté. D'accord, elle a besoin de personne. Elle a gagné très très bien sa vie. Elle était pour elle, elle pensait pas qu'elle avait besoin d'être sauvée parce qu'elle était parfaite. En gros, I said you was completely self-reliant and you didn't think you needed to be saved because you was perfect. I mean, you was fine. You know, you had everything you needed. Elle avait absolument tout ce qu'elle voulait. C'est pour ça que quand Jésus est venu, ça a été un choc pour elle en fait. That's why when Jesus came to you, that was kind of a shock. Do you want to say this with your words still, because even though I know, I want to explain this. Yeah, I would say, when I had manifest everything I wanted, I was still not fulfilled. And I knew for 2 years that I would meet something and my mind didn't even know about. And it was a surprise that was Jesus. Okay. Attends, so, une fois qu'elle avait manifesté tout ce qu'elle avait à manifester, elle n'était toujours pas satisfaite. Et ça faisait 2 ans qu'il y avait cet espace à l'intérieur d'elle qui savait qu'il y avait quelque chose qui allait arriver dans sa vie. Elle savait que ça allait être énorme, mais elle ne savait pas ce que c'était. Et en fait, cette manifestation, ça a été Jésus. Mais ce n'est pas du tout quelque chose à laquelle elle s'attendait. D'accord? Ok, that's it. And me, I was waiting for my 50-year-old and coming into the role model of my human design and I forgot and I was so excited about my 50 and it's Jesus that came. Et moi, j'attendais depuis 2-3 ans mes 50 ans parce que dans le design humain, je rentrais dans mon rôle modèle et j'étais super excitée d'avoir 50 balais. Et en fait, la semaine avant mon anniversaire, j'ai rencontré Jésus et alors là, ça a été, je ne m'y attendais pas du tout. Donc, one second, let me write something. OK, donc, aujourd'hui, nous avons donc ces questions. Bonjour Sylvie, bienvenue. Nous allons donc poser les questions en français à travers moi, que je vais traduire. People's going to ask me the question in French that I'm going to translate. Suzanne will answer, maybe I will answer too, but I'm very, I love my friend and I love the way, j'adore mon amie et j'adore comment elle apporte la vérité dans son verbe. Je suis très admirative de ça, de comment elle exprime les choses. Et puis, je traduirai à fur et à mesure, d'accord, pour expliquer un peu comment ça se passe. Donc, Nolan, on va commencer avec toi. Nolan is a leader introvert and he doesn't like to speak in front of people. Il est un petit peu introverti, n'aime pas trop parfois parler. Tu te sens bien là, ça va? Oui, oui, ça va. Ok. Ok. Quelle est ta question, Nolan? Alors, moi, ma question, donc, elle est liée au baptême. Donc, au baptême. Moi, j'ai bien compris que Jésus est venu sur Terre pour nous dire comment utiliser notre véhicule, donc notre corps. Alors, attends, fais des pauses parce que je vais traduire à chaque fois. I'm going to translate every sentence. Donc, his question is about the baptism. He says he understands that Jesus came on earth to tell us how to use our vessel. Buddy, vas-y. Donc, du coup, mais je comprends pas pourquoi nous devons nous baptiser pour suivre et appliquer ses paroles. He doesn't understand why we need to be baptized to follow what he tells us to do. Okay, so let's start from the beginning. What do you think about if I just do the gospel the fast way, the few minutes way? Because so we have that as a base. Yeah, that's cool. But can you just pause every little sentence, just a few seconds, just for me to translate? Yeah. Okay, elle va commencer avec le début, avec une partie de gospel, avant de répondre à ta question. So the Bible starts with how God created us to be in his image. La Bible commence avec comment Dieu nous a créés pour être à son image. So from the beginning, God spoke about himself as we. Donc depuis le début, Dieu a parlé en tant que nous. And that was the Son,
the Father and the Holy Spirit, the Spirit. Nous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. We were created in his image, so we also have three parts, the body, the soul, and the spirit. Nous étions créés à son image, donc nous avons aussi trois parties, le corps, l'âme et l'esprit. He created us to have authority and dominion over everything created on earth. Il nous a créés pour avoir l'autorité et la domination sur toutes les autres choses créées sur la terre. Except over each other. We're here to serve each other with our gifts. Sauf nous dominer les uns des autres. Nous sommes ici pour nous servir les uns des autres. Nous servir les uns les autres. So, in chapter 3, they ate from the tree of good and evil, the tree of life, the tree of knowledge. Donc au chapitre 3, Adam et Ève ont mangé de la pomme de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. And God has his laws. Dieu a des lois, a ses propres lois. Il a son ordre. And for every action, there is a consequence. Et pour chaque action, il y a une conséquence. Because he gave us free will. Parce qu'il nous a donné le libre arbitre. So the consequence of going against his law and eating from that tree of life, or tree of knowledge. Donc la conséquence qu'il y a eu de désobéir sa loi et de manger de l'arbre de la connaissance was that their spirit died. A été que l'esprit meurt. God's spirit didn't live in their body any longer. De l'homme ne pouvait plus vivre dans le corps de l'homme. So what is, if we have spirit, soul, and body, now we have only two thirds left, the soul and the body. Donc qu'est-ce qui se passe? Si à la base on était venu avec le corps, l'esprit et l'âme, et qu'il n'y a plus l'esprit, il ne reste plus que le corps et l'âme. Two thirds are 0.666. Deux tiers, c'est 0,666. And that meant, since then, every human that was born in 0.666. Cela veut dire qu'à partir de ce jour-là, tous les humains qui naissaient étaient naissés avec le 0,666. Meaning not in contact with God's spirit. God's spirit. Ça veut dire ne pas être connecté avec l'esprit de Dieu à l'intérieur de lui. And that means the tree of knowledge that was basic. Since then, we've had the seed of evil inside us and the seed of good inside us. Ça veut dire qu'en ayant mangé le fruit de l'arbre de la connaissance, tous les humains naissent avec la graine du mal à l'intérieur de lui et la graine du bien, les deux, à l'intérieur de lui. And we are not in spiritual authority over that evil, that darkness. Et nous ne sommes pas dans l'autorité spirituelle devant le malin, devant ce qui est mal, c'est l'obscur. So, God's love, God's grace, send himself, we have to remember, he sent himself, the part of him that is the Son, Jesus. Donc, par la grâce de Dieu, ce qu'il a fait, c'est qu'il ne faut pas l'oublier, il s'est envoyé lui-même, il est venu lui-même sur terre dans l'incarnation de son Fils, de Jésus. To live fully, 100% according to God's law. Pour vivre 100% en accord avec la loi de Dieu. Which at that time was the only way to get in contact with God again. Et à ce moment-là, c'était la seule et unique manière de rentrer en connexion, en contact avec Dieu pour encore une fois. Then the Jews, meaning religion, killed Jesus on the cross. Et les Juifs, ce qu'on appelle enfin les gens qui suivaient la religion, okay, ont tué Jésus sur la croix, donc Dieu. And on that cross, he took on all the sins, all the diseases, and won over the darkness. Et sur la croix, il a pris tout le mal, toutes les maladies, et à cause de ça,
il a gagné, il a été plus fort que le mal, en fait, que le darkness, parce qu'il a tout pris avec lui, en fait. Il a tout pardonné. Pas de Somebody soucis. Wants in. Somebody wants to come in. Yeah, oh, I didn't see. I think they left. Uh-huh. Yeah. Alors, one second. Pour ceux qui sont là, la caméra n'est pas... Vous pouvez activer votre caméra avec grand plaisir, tous. Pas les micros tout de suite. Après qu'on ait répondu à la question, on posera aux autres. Vas-y. Sorry, Babs. In this moment, he became the highest authority over everything created, including darkness. À ce moment-là, lorsqu'il a donné sa vie, il est devenu l'autorité suprême sur tout ce qui existait, y compris l'obscur. So now, we who are or were 0.666. Donc à partir de ce moment-là, nous qui sommes 0,666. And if you're honest with yourself, you know you're missing something. You know you're longing for something. You know you're longing for God, right? Et si vous êtes honnête avec vous-même, vous savez qu'il vous manque quelque chose. Vous savez, vous avez faim pour découvrir ce qui vous manque. Vous savez que vous cherchez Dieu depuis tout petit, depuis longtemps. 0.666, try to fill it with relationships. 0,66 qu'on va essayer de remplir avec des relations. Which is two people who are missing a third. Ce qui sont deux personnes à qui il manque l'esprit. C'est les deux personnes qui ont 0,666. So love here becomes to give each other a little bit of energy here, and then it's a little bit less here. So then it needs, like, it's a lot of give and take. And that's called human love. If you can give me something that fills my cup, ooh, it feels like love. Donc, ce sont deux relations qui sont vides de l'esprit et qui vont chacun se donner un petit peu. Et puis l'amour que tu vas me donner va venir remplir un petit peu ma coupe. Et puis quand moi, je vais voir que tu remplis ma coupe, c'est la définition de l'amour chez les humains, en fait. C'est d'être dans une relation où on peut un petit peu s'entrevaser dans nos relations. We can fill it with making money and buying everything we desire to make our physical life more delightful. On peut remplacer la relation par se faire de l'argent et s'acheter tout ce que l'on veut pouvoir s'acheter dans le monde physique pour pouvoir remplir ce vide. For many, sex is a big pleasure. C'est le plaisir, chercher un truc de plaisir, en fait. A lot in New Age right now is to take different kind of psychedelics to have experiences, but beaucoup, when the psychedelic is gone, still no connection. Beaucoup dans New Age aujourd'hui, c'est un grand truc à la mode de prendre beaucoup de substances, d'expériences comme l'ayahuasca, le DMT, etc., pour faire des expériences mystiques. Mais une fois que l'expérience mystique est finie, bah, on n'a plus ce ressenti en fait à l'intérieur. Bienvenue, Félix. So, I had been in New Age, meaning self-development, for 20 years. J'ai été dans New Age, dans le développement personnel pour 20 ans, pendant 20 ans. I looked for God. J'ai cherché and I Dieu. Were definitely not getting in contact with him. Je le cherchais, mais j'étais définitivement pas du tout en contact avec lui. So, Jesus came into my life. Jésus est venu dans ma vie. And said, I am the way, I am the truth, I am life, the only way to the Father. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, le seul et unique manière d'atteindre le Père. That way was the way I never Le chemin, c'était un truc à laquelle j'avais jamais pensé. C'était inconnu pour moi. And when I understood what he did on the cross, et quand j'ai compris ce qu'il avait fait sur la croix, and that we cannot save ourselves, et qu'on peut pas se sauver, because we are law breakers, parce qu'on est là pour désobéir aux lois, it would have been like me and Julie in the old days in Laïcovia on the death row, because 0.666 is the law of death and disease.
0,666, c'est le loi de la mort et de la maladie. Donc, elle donnait l'exemple, c'était comme moi et Suzanne, quand on était au Costa Rica dans cet énorme éco-village, en fait, on était dans le couloir de la mort. So it would have been like we were on the death row, on having était, a death penalty. Yeah, on était avec la peine, la peine de mort. And I tell Julie, I will buy you out. Et je te dis, je vais payer ta caution. It doesn't work. I can't die twice. Elle dit, ça peut pas fonctionner. Je peux pas mourir deux fois. Je peux pas mourir et acheter ta vie aussi pendant que moi je meurs. That's why it took Jesus, who lived a completely holy life. C'est pour ça qu'il a fallu qu'elle rencontre que Jésus vienne, parce que lui était celui qui avait vécu du début jusqu'à la fin une vie sainte dans tout ce qu'il faisait. To really buy us all free. Pour que lui paye la caution pour nous tous. C'était qu'une personne sainte qui avait eu la résurrection qui a pu payer la caution pour qu'on devienne éternel. And he said before he resurrected, et il a dit avant de résurrection, you will have something better than me. Et il a dit avant sa résurrection, vous aurez quelque chose encore mieux que ce que moi j'ai à vous offrir. Which was the Holy Spirit. Qui veut dire, et là il parlait de l'Esprit Saint. Which was the power that rose him from the dead. Qui est le pouvoir qui lui a fait faire la résurrection. C'est l'Esprit Saint. And the power that healed and created all the miracles. Et le pouvoir qui a guéri et créé tous les miracles. So when I understood, and when anybody understand that, okay, I'm a sinner, and I had never thought that thought in my whole life. Donc quand j'ai compris, et quand tout le monde comprend, pige, je suis un pécheur, et jamais ça m'avait même traversé l'esprit de toute ma vie, en fait. I didn't even know what it was a sin. I had to Google, because I had never even opened a Bible. I had to Google what is a sin according to the Bible. Elle dit, elle savait même pas ce que c'était qu'un péché. Quand elle est arrivée, elle a dû Google le mot péché parce qu'elle avait jamais ouvert une Bible de sa vie. Donc, elle savait même pas ce que c'était un péché. Donc, elle a été chercher sur Internet voir c'est quoi péché. And then I could see that everything that's defined as a sin, of course, if I act on that, I will create hell on earth. You know, my living hell. Et là, j'ai compris que tout ce qui était des péchés. Okay, can you come again? Can you repeat that? Sorry, babes, because I pressed. Yeah. If I would act on all those sins. Si j'agissais sur tous ces péchés, si je les mettais en pratique tous ces péchés. Or just one. Ou même un seul. Je cassais la loi, en fait. Comment est-ce qu'on dit quand tu désobéis à la loi? Ouais, je cassais la loi. Enfin, je désobéissais, en fait, à la loi. And that creates a living hell, more or less. Et ça crée notre enfer sur Terre, pour nous tous, en fait. À chaque fois, il suffit de désobéir une fois, de faire un truc, et on vit dans l'enfer sur Terre. There is always something missing. Il y a toujours quelque chose qui manque. Il y a un truc qui manque à chaque fois, en fait. But now the good thing is. Mais là, la bonne chose, la bonne nouvelle, elle est. What I started to see. Ce que j'ai commencé à voir, à comprendre. Was that criminals, murderers, drug users, they were like brain dead almost. Que les criminels, des assassins, les addicts aux drogues qui étaient complètement limite morts du cerveau, déconnectés. When they said, "Hey, I'm a sinner and I repent. Thank you for dying for my sin and saving me." Quand ils ont dit, "Je suis un pécheur et je me repentis. Merci d'être mort sur la croix et de m'avoir sauvé." I turn to you, God, and I play with your laws. Je me tourne vers toi, Seigneur, et je joue avec tes lois, avec ton ordre. With your will. Avec ton, euh,
ton divin vouloir. And your order. Et ton ordre. Then we are free from sin. Ils ont été libérés de leur péché. In the name of the law. Au nom de la loi. Our breaks are gone. Tout ce que l'on a fait disparaît à ce moment-là. C'est fini. C'est parti. And we receive the Holy Spirit. Et on reçoit l'Esprit Saint. And when the Holy Spirit came over me, quand l'Esprit Saint est tombé et venu me voir, then I became a true believer. Là, à ce moment-là, je suis devenue vraiment une vraie croyante. Because I was honest with Jesus, I said, "Okay, I'm going to try this because I never tried your way, but it wasn't wholeheartedly. I did not expect." Parce qu'elle a été honnête. Elle a dit, ouais, ok, d'accord, bah, je vais essayer, je vais voir ce que ça, je vais voir ce que c'est. Mais elle ne l'a pas fait du plus profond de son cœur, en fait, et elle ne s'attendait pas à recevoir ce qu'elle a reçu. When the Holy Spirit came, my eyes opened. Quand l'Esprit Saint est venu, mes yeux se sont ouverts. I understood love. J'ai compris ce que voulait dire l'amour de Dieu. Constant love. L'amour qui est constant. Constant safety. De me sentir en sécurité, une sécurité constante. Never changes. Qui ne change jamais. Always providing. Qui est toujours ici à ma disposition. Which is very different than the human love of. Qui est très différent de l'amour de on va se remplir vice versa nos petits verres. This connection break codependence. Cette connexion casse la codépendance. Because to be honest, anybody without the Holy Spirit is more or less codependent. Parce que pour être honnête, n'importe qui n'a pas l'Esprit Saint est plus ou moins codépendant à chercher quelqu'un pour venir remplir le vide. Now, quelque chose. Maintenant, I'm coming closer to your je answer. Je me rapproche de ta réponse, Nolan. Or to your question. Et à ta question. In this moment, dans ce moment, or before, ou juste avant, you will start to see how dark you are. Tu vas commencer à voir à quel point tu es obscur. Jesus, God, is the mirror, the light without darkness. Dieu, Jésus, est la lumière sans l'obscurité. It reveals. Il révèle the darkness within you. Il révèle l'obscur à l'intérieur de toi. Il met à jour ce qui doit être nettoyé. And you will meet the Lord of the darkness. Et tu rencontreras le Seigneur de l'obscur. And his demons, his unclean spirit. Et ses démons. Tu les rencontreras. Tu les verras. The thing is, when you have Jesus and the Holy Spirit, you have the spiritual authority over that darkness and to cast it out. La chose est, quand tu as Jésus et quand tu as l'autorité de l'Esprit Saint, tu as cette autorité, ce dominion, cette domination sur tous les démons. Tu peux. So anywhere else you look, if you look in Hinduism, chakra system, Zen Buddhism. Si tu vas dans l'hindouisme, le chakra, le bouddhisme, toutes les choses que tu cherches. That the Lord of the darkness will just sit back and eat popcorn. That's what I call it. Le Seigneur de l'obscur te laissera faire et observera juste en mangeant du popcorn. So there's two parts to baptism. Il y a deux parties au baptême. Il y a deux parties qui arrivent dans le baptême. Before Jesus, avant Jésus, water baptism was what Johannes did. What did you say? Before Jesus died. Ouais, ouais. People got baptized to clean and prepare for Jesus and to repent. Okay, comme Jean le Baptiste. Avant que Jésus arrive, les gens se baptisaient comme faisait Jean le Baptiste. Ils se nettoyaient
et ils se préparaient pour la venue de Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il disait. Jean le Baptiste faisait que ça. Et il baptisait, il nettoyait les gens et il disait Jésus va revenir, Jésus va revenir. Baptized changed after Jesus died and resurrected. Le baptême a changé après que Jésus est mort et a eu la résurrection. Then he baptized, Jesus baptized us in the Holy Spirit after we repented. À partir de là, Jésus baptise avec l'Esprit Saint une fois que l'on s'est repenti. Pas avant. And the water baptism that comes after is a prophetic action. There's like you go down in the water and you die to your old self. Et le baptême avec l'eau qui vient après, que tu t'es repenti et que tu reçois l'Esprit Saint, est un acte prophétique, en fait, tout simplement pour dire tu meurs, ça y est, de l'ancien, de qui tu es, et là, tu renais nouveau, en fait, dans ta voie. And the new position that you arise to is the position in Christ on the right side of God. Et la position dans laquelle tu nais, tu ressors lorsque tu as le baptisé, c'est la position qui est à droite de Dieu, qui est celle de avec Christ. Your spirit is with God and here at the same time. Ton esprit est avec Dieu et en toi en même temps, simultanément. And it is in spiritual authority over everything, the darkness, pathogens, anything created on the planet. Et c'est avec l'autorité spirituelle sur toute l'obscurité, les dépressions, les pathogènes, les addictions, absolument tout à quoi tu peux penser, les démons aussi. And how do you know that Jesus is the way? Et comment est-ce que tu sais que Jésus est le chemin? I can say it like this. The darkness never attacks itself. L'obscur ne s'attaque jamais soi-même. As Jesus is the only one in authority over it. Comme Jésus est le seul à avoir l'autorité sur l'obscur. That's when they stop eating the popcorn and get into war. C'est là qu'ils arrêtent de manger le popcorn et qu'ils vont faire la guerre. Là, ils se préparent pour la guerre. And the night after my water baptism. La nuit après mon baptême, I woke up completely paralyzed. Je me suis réveillée complètement paralysée par une attaque. And I knew it was the devil. Je savais que c'était le démon, le Satan. So his hate, he was furious. And I knew he was furious because he lost. Et sa haine, il était furieux. Et je savais qu'il était furieux parce qu'il m'avait perdu. He had been my dad. C'était mon père. He is everybody's dad if il you're est le père de tout le monde si tu es 0,666. And I was not afraid. Et je n'avais pas peur. I knew how to win over him. Je savais comment je pouvais gagner. I knew the victory had already happened. Je savais que la victoire était déjà arrivée. So it took me 45 minutes. Ça m'a pris 45 minutes. To stop that attack. Pour arrêter cette attaque. And that was because it paralyzed my mind, so I couldn't think. Parce que ça a paralysé son esprit pour qu'elle puisse plus penser. Elle n'arrivait plus à penser. So I had to sit and say, Jesus, 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 because then it created a space. Elle a dû s'asseoir et prononcer le mot de Jésus plusieurs fois, parce que comme ça, ça a pu créer un espace, en fait, à l'intérieur d'elle. And I knew I had to inquire where, like, in what thought form had he lived inside of me. Et je savais qu'il fallait que je cherche à l'intérieur de moi dans quelle pensée schématique que j'avais depuis longtemps, il s'était installé. C'est-à-dire qu'il y avait un schéma de pensée qu'elle avait dans lequel le diable, son père, s'était installé. Donc, il fallait qu'elle trouve où était la racine du mal. And when I had created enough space to think,
Et quand j'ai créé suffisamment d'espace pour penser, the answer came, I had not felt loved. La réponse est venue qu'elle n'avait jamais, qu'elle ne s'était jamais sentie. I had people around me who told they loved me. Les gens autour d'elle lui disaient qu'il l'aimait. But I realized I'd been programmed to only be fulfilled with God's love. Mais à ce moment-là, elle a compris qu'elle avait été programmée d'être simplement satisfaite avec l'amour de Dieu, qu'elle n'avait pas eu avant. Big difference between God's love and human love. Grosse différence entre l'amour de Dieu et l'amour d'un humain. His pure, holy love touched my heart. L'amour, son amour pur, saint et rempli de grâce a touché mon cœur. And the moment I knew that, the devil, he left me. Et au moment où j'ai compris ça, où je le savais, le diable m'a quitté. And God came in and I became God's child. Et Dieu est venu à moi et je suis devenue l'enfant de Dieu. Change fathers. J'ai changé de papa, j'ai changé de père. So the power of that water baptism, the Holy Spirit comes first, but the power of that baptism, you know that yourself. Yeah. The attacks that most people have before is immense. I didn't have any attack before. The baptism kicked out the devil the next night. Donc, le baptême avec l'eau qu'elle a eue, et elle me dit, toi aussi, tu sais ce que c'est. Elle n'avait jamais eu d'attaque avant. Elle n'en a pas eu avant. Moi, j'en ai eu avant. Moi, j'avais plein de démons, c'était juste l'horreur. Mais elle n'en avait pas eu avant. C'est un truc, ça lui est jamais arrivé. Ce n'est pas quelqu'un qui est du tout enclin à tous ces trucs de dark. Mais après qu'elle s'est fait baptiser, waouh, là, le démon qu'elle avait, qu'elle ne savait même pas qu'elle avait, s'est vraiment manifesté. Et il est sorti. Et tout le monde, quasi 90% des gens qui se font baptiser ont une expérience commune à ça. So back to your question, you said that Jesus came to show us how to use our vessel. Donc pour revenir à ta question, tu as dit que Jésus est venu pour nous montrer comment utiliser notre véhicule. That wasn't his teaching. Il dit c'était pas, c'est pas son enseignement. He taught us how to get back to the Father. Il nous a montré comment retourner au Père. He taught us how to regain our spirit the way God created us. Il nous a appris comment récupérer notre esprit de la manière dont Dieu nous avait créé à la base avant qu'on mange le fruit. His teaching is teaching us how to become waterproof for the darkness. Son enseignement est de nous apprendre à devenir waterproof. Sorry, because étanche. Merci beaucoup Nola. Bravo. Étanche à l'obscur. Example, this is my last. Un exemple, c'est sa fin avant qu'elle passe à autre chose, à une autre question. Jesus said something like, if somebody takes your mantle, do you say that? If somebody takes your dress, give them your shoes too. Yeah, Jésus disait, si quelqu'un prend ton manteau, donne-lui tes chaussures. I didn't understand that until one day. J'ai pas compris ça jusqu'au jour où. Because the darkness come and steal. Parce que lie and kill. L'obscur vient pour voler, mentir et tuer. So it steals your one of your pieces of clothes. Il vole ton manteau, il vole quelque chose. And if you react and feel the loss of that, react in any way. Réagis et de quelque manière que ce soit parce que tu sens la perte de ce que tu as perdu. The darkness slips in that wound. L'obscur rentre dans cette blessure. So Jesus said, "Pray for your enemies." Donc Jésus a dit, prie pour tes ennemis. And now they, if I get attacked. Maintenant, quand je suis attaqué, si je me suis attaqué. My heart doesn't close any longer. Mon cœur ne se ferme plus. I can feel compassion. Je peux avoir de la compassion. And pray for that person. Et je peux prier pour cette personne. I could not do that before. Je pouvais pas faire ça avant. My heart has not closed since the Holy Spirit came over. Mon cœur ne s'est pas fermé une seule fois depuis que l'Esprit Saint est venu sur moi.
It came with a peace that cannot be disturbed. Il est venu avec une paix qui ne peut pas être dérangée. It came with everything I'd long for, and it's here. It's not in and out. C'est venu avec tout ce dont j'avais besoin, et c'est là. C'est pas ici et ça part et ça revient et ça part et ça revient, ça sort et ça rentre. C'est là permanent. I haven't paid for any therapy sessions since then, and I probably spent $100,000 in my life. Je n'ai pas payé pour une seule session de thérapie depuis, et j'ai certainement dépensé pour plus de $100,000 dans ma vie de thérapie. And still, I wasn't that fucked up, in my opinion, before. J'étais toujours pas réparée. J'étais toujours un peu foncedée, à mon opinion, même malgré tout ça. I just had a really high standard, so any reaction was peeling that onion that never gets peeled. Amen, amen. Elle avait juste des standards très élevés, et c'était toujours à propos de peler cet oignon qui ne se termine jamais. L'oignon aux couches infinies. Jesus is the exit of that unpeelable onion. Jésus est la sortie de cet oignon infini. So back to the question, did I answer why baptized? Alors, il revient à ta question. Est-ce qu'elle t'a répondu à pourquoi le baptême? Oui, 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 c'est beaucoup plus clair. It's way more clearer. Yeah, it's a powerful, powerful action. C'est une action très, très, très puissante. Est-ce que tu as une autre question par rapport aux vibrations et tout ça que tu m'avais dit, ou ça te suffit? Non, dans l'immédiat, ça me suffit. Okay, asking if you had another question about the frequency and whatever that we talked about prior to coming here. And he said that right now, it's sufficient for you. Yeah, I can say high conscious people. Elle peut dire que les personnes qui ont une conscience élevée can be further from humbling themselves to get saved and get the Holy Spirit. Peut être très beaucoup plus loin de l'humilité dont on a besoin pour se repentir et être sauvé par l'Esprit Saint. Than the murderer, the drug person that know they are dark. Plus loin que ceux qui sont des assassins, des addicts, des voleurs qui savent qui sont dark, eux, ils le savent. Donc, quand ils peuvent dire, waouh, je suis un pécheur chaud. Mais quand tu es dans la conscience élevée, tu peux avoir cet orgueil de penser que tu n'es pas un pécheur. Because any light experience I had before Jesus, and they were many. Parce que toutes les expériences de lumière que j'ai eues avant Jésus, et il y en a eu beaucoup, was hiding my darkness. Cacher mon côté obscur. It made me feel bigger. Et me faisait me sentir encore plus grand, encore plus fort, encore plus extraordinaire. With God's light without darkness, you feel humble, you feel reverence. Amen. 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 That's the right word. Avec l'amour de Dieu et la lumière de Dieu qui n'a pas d'obscurité, tu te sens humble et en révérence quand tu es face à lui. Amen. C'est exactement ce que j'ai ressenti. La révérence. Quand tu sens son pouvoir, cette lumière sans obscurité, you see your darkness, right? When you see the light without darkness, you know how dirty you are. Quand tu vois la lumière sans l'obscurité qui se présente à toi, tu sais à quel point tu es sale. Tu sais à quel point tu es un péché. Yeah, and I still get tears in my eyes because it's so much love and grace. He chose to get in contact with us. Et ça lui apporte toujours les larmes aux yeux parce qu'elle ressent à chaque fois qu'elle en parle son amour et sa grâce parce que il est toujours là pour être en contact avec nous. Because it's all, we couldn't keep the law. Sinon, on pourrait pas suivre la loi, en fait. So that's what Jesus did on the cross. Et c'est ce que Jésus a fait sur la croix. He paid us out of the law. Il a payé notre dette pour sortir de la loi de Moïse. And not just us having to be honest to say, yeah, I'm 0.666.
Et c'est à nous d'être honnêtes et de dire, ouais, je suis 0,66, 666. Ouais, j'ai des péchés, ouais. Forgive me for my sins, I turn your way. Pardonne-moi pour mes péchés, montre-moi le chemin. Et c'est for free and fast. Ça va être aussi gratuit et rapide. And now, since I shared my story, so many people followed. Et depuis qu'elle a partagé son histoire, beaucoup de gens l'ont suivi. People who spend all their money and time and 20, 30 years, and now they're freed. Des gens qui ont dépensé beaucoup d'argent et beaucoup de temps, 20 ans, 30 ans, pour se chercher. Et aujourd'hui, ils sont libres. Ils sont libérés. Amen. Ouh! C'était pas beau ça, hein? C'était pas beau ce partage là. Nolan, est-ce que ça a répondu à ta question? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire par rapport à ce que tu as reçu comme réponse? Dans l'immédiat, rien. Mais merci Suzanne pour sa réponse. Merci Suzanne. Thank you Suzanne for your answer. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Merci Nolan pour ta question. Thank you Nolan for your question. J'aurais une question aussi. Vas-y Natalia. Alors bonsoir à vous deux. Je suis à Suzanne de Pardon parmi nous. C'est une grâce. Merci pour. Thank you for the grace of your presence. Alors, je suis née catholique. She was born Catholic. J'ai eu mon baptême catholique bébé. She had a baptism when she was a baby, a Catholic baptism. Je me suis réfugiée dans l'islam, j'avais 20 ans après la décès de mon frère. After a brother died in 1993, she threw herself fully into Islam. Et puis j'ai pratiqué pendant 10 ans, j'ai lu le Coran, j'ai pratiqué. Okay, she practiced it for 10 years, reading the Quran, everything. Et Jésus me revenait sans cesse, sans cesse, sans cesse. And Jesus kept coming back to her, over and over and over again. He comes strongly to Muslims, oh my God. Il vient très fort aux musulmans. The ones that long for God. Ceux qui cherchent vraiment Dieu, les musulmans qui recherchent vraiment Dieu, Jésus vient fortement à eux. Et puis, à mes 31 ans, donc, je suis revenue à l'église. Et j'ai à ses 31 ans, elle est retournée à l'église. Mes deux enfants, ils sont chrétiens. Deux enfants, two kids are Christians. Et puis, je suis allée dans le New Age. And she went into the New Age. Canalisation. Channeling. Avec Jésus. With Jesus, channeling Jesus. Il y a quelqu'un qui venait. It's only him that used to go come to her. Et puis j'ai suivi Julie. Ok, bon bah je m'en vais. Hein. And then she said, then she followed me. I'm guilty. Shocking, shocking. Quand Julie s'est convertie. She was absolutely shocked when I converted to Christ. Mais un choc. Like a positive shock. Positive shock, good. Et je suis revenue à Jésus. Oh, thank you, that makes me want to cry. And she came back to Jesus. Sorry. Yeah. Yeah. Et je suis maintenant depuis 15 jours, 3 semaines, avec des protestants évangéliques. And she's been with evangelic protestants the last 15 days. Pour apprendre la parole de Dieu. To learn the word of God and Jesus. Choses que je ne connaissais pas avant. Things that she didn't know before. J'ai un amour profond pour Jésus. She has a very deep love for Jesus. Ma fille aussi, qui a 25 ans, qui est,
qui est aussi chrétienne catho, mais qui va suivre mes pas. Et j'ai mon fils aussi, Aaron. J'ai un troisième enfant. Nous sommes tous chrétiens. Ok, so her daughter who's 25, who's Catholic, but she's starting to follow the law of the, rather the way of Christ, like a mom, and her son as well. The, all of them now, they became full Christian. Et ma question est, il y a deux ans, j'ai fait ma confirmation, mon deuxième baptême. 2 years ago, she had the confirmation, which is a Catholic way, which is the second baptism. To confirm the first one, which and just to say, the children baptism and the confirmation does not exist in the Bible. There's only one baptized, and that's the baptism of faith and the whole in the Holy Spirit and then in water. Donc elle te dit d'abord avant que tu ailles plus loin dans la Bible, nulle part il est parlé de, du premier baptême et de la deuxième de la confirmation. Soit on n'en parle pas dans le, dans la Bible. La okay. seule baptême dont on parle dans la Bible, c'est quand tu es baptisé avec l'Esprit Saint. En fait, vous avez répondu à ma question. Okay, she said you answered me. That was a, you answered the question. Donc, pour les baptêmes, tu sais que tu peux trouver avec la map, hein, vu que tu es sur mon groupe, tu es sur le groupe de prière, hein, Nathalia, la map de TLR dont je parle, où tu me le dis, même si tu viens ici, moi, je peux te baptiser. Et sinon, on a cette map pour que tu trouves quelqu'un à côté de chez toi. On n'est pas obligé de faire tout ce que dit l'Église. La procession de foi, tout ça, le truc, ça, c'est non. À partir du moment où tu aimes Jésus, où tu le reconnais, où il vient, où il est là, où tu le sens, tu peux te faire baptiser le soir même. Moi, je sais que quand il est venu à moi et que je suis devenue révérencieuse et que je me suis immédiatement repentie, c'est-à-dire que je n'ai pas attendu une seconde, j'en n'en pouvais plus. You remember, Suze, how much I was impatient to be baptized. J'étais là, ah, je vais être baptisée. Je ne trouvais personne. J'étais complètement dingue. Mais je savais qu'il y a l'église en face de moi. Et j'étais là, non, je ne veux pas. Et j'étais là, ah, je n'en pouvais plus et tout. Puis j'ai trouvé quelqu'un, elle l'a annulé le jour même. Enfin, c'était le bordel. Et puis j'ai eu quelqu'un du groupe, en fait, celui qui a traduit toutes les vidéos de The Last Reformation, m'a baptisée. Donc ça a été pour moi une cerise sur le gâteau, tu vois. Yeah. Okay. Donc, tu n'as pas d'autres questions pour Suzanne? Non, parce que chez moi, il y a un culte près de chez moi. Donc, j'ai été invitée à l'étude de la Bible. Je suis allée au culte dimanche. Je vais encore à l'étude biblique cette semaine. Et puis, je vais en parler. J'ai fait des très belles rencontres avec le pasteur. J'ai beaucoup pleuré parce que j'ai trouvé ça tellement évident. So she has a cult not too far from her, where she goes, where she studied the Bible with. She meets the pastor that was there. She cried a lot because for her now it's like so full, blunted, and so like it's an evidence. You know, it's like, yeah, there is no other way. You wanted to say something, Suze? Yes, because you come from a Catholic country, kind of. Right, France is Catholic. Yes, parce que tu viens d'un pays catholique, comme là, parce que la France est catholique. It's a huge difference between the Catholic theology and the Bible. Il y a une énorme différence entre la théologie catholique et la Bible. In the Catholic Church, there is a priest. Dans l'Église catholique, il y a un prêtre. Oui. In the Bible. Anybody baptized in the Holy Spirit? Et dans la Bible, n'importe qui a été baptisé avec l'Esprit Saint. By Jesus, when the Holy Spirit comes. L'Esprit Saint vient. We are a priest. Nous sommes des prêtres. And saint, even. It's called a saint, right? And a saint is a little bit more holy path. Okay. You have to live the holy path. Yeah. But you become a priest. And what does it mean to be a priest? Prêtre. Qu'est-ce que ça veut dire? Before Jesus died on the cross, avant que Jésus meure sur la croix, it was only the priest and the king who had a connection with God. C'était seulement le prêtre ou le roi qui avait une connexion avec Dieu. But now we have a relationship. This is why this is not a religion. Maintenant, nous avons une relation. Ce n'est pas une religion. There is not one word in the Bible that talks about religion. Il n'y a pas un seul mot dans la Bible qui parle de religion. It talks about a relationship
Ça parle d'une relation. The Father knowing us better than anybody, and you share your heart with him. The honest, real, authentic heart that you have. C'est le Père qui nous connaît mieux que personne, et nous qui nous partageons à lui avec honnêteté, intégrité et transparence, plus que l'on l'ait fait avec n'importe qui avant. It's having God number one. C'est avoir Dieu en numéro un dans notre vie, avant tout le monde, avant toute chose. Est-ce que le channeling est un péché? Is the channeling a sin? Lucifer is intelligent and he copycats everything God has created us. Lucifer est très intelligent et il copie tout ce que Dieu peut nous faire faire. So one of the Holy Spirit gifts is the prophesier. Un des dons de l'Esprit Saint, c'est de prophétiser. Or the gift of, it's not just a prophet, but prophecy. Yeah, you say prophecy. Ouais, le don de prophétie. Yeah. And the words of wisdom, et les mots de sagesse. The word of wisdom and the word of knowledge. Et les mots du savoir aussi. Wisdom, savoir, et la prophétiser. So Julie, you have that very strong, the prophecy and word of knowledge. You can say something that person only knows God knows. Yeah. Elle dit, voilà, moi, je sais que j'ai le don de la prophétie et j'ai le don du savoir. Je peux dire des choses sur toi que seul Dieu sait. Et c'est vrai que j'ai des informations qu'on vient me voir ou je peux te parler toi en toute transparence. These gifts have only one purpose. Et ce genre de don qu'on te donne n'ont qu'un seul but. To bring people to Christ. D'apporter les way to God. Pour aller vers le chemin de Dieu. Parce que la voix que j'entends en moi, parce que c'est de l'audience, c'est... La she hears a voice, the voice that she hears inside of her, the clair audience that she has. Yeah, so truth is that Holy Spirit. Donc, elle te pose la question. In the name of Jesus, au nom de Jésus, is that the Holy Spirit? Est-ce que c'est l'Esprit Saint qui te parle? En vérité. And we're asking now because it has been mixed before, but I'm asking demande now. Là maintenant, tout de suite, parce que ça a été mélangé avant, mais là maintenant, tout de suite, Natalia, est-ce que cette voix que tu entends, c'est celle de l'Esprit Saint? Oui ou non? Est-ce que la voix que tu sort du mental, hein, la première réponse que tu as? Je suis. Yeah, mais ça, c'est pas l'Esprit Saint. She said, I am. Yeah, she still has portals open to other stuff. Yeah, I believe that too. Elle dit, t'as encore des portails ouverts pour d'autres choses. C'est pas que l'Esprit Saint qui vient. Yeah, I feel that too. Yeah. So, yes. when we come from the new age, it's really important to really ask God, ask the Holy Spirit to close all the other channels and to have just one pure channel to God's voice. Quand on vient du New Age, c'est hyper important que quand tu pries, tu demandes à Dieu de complètement fermer tous les autres canaux que tu peux avoir, qui peut avoir d'autres esprits, et qu'il y ait seulement et uniquement le canal lié à lui qui soit ouvert. And how you savoir, know, bah, et comment tu le sais? Is what you channeling, is it confirmed by the Bible? Et comment tu le sais? Est-ce que ce que tu canalises, c'est confirmé dans la Bible? La Bible parle aussi? I didn't know the Bible, but any revelation I had always confirmed by the Bible. Je ne connaissais pas la Bible, mais toutes les révélations que j'ai eues ont toujours été confirmées par la Bible. If there is a different voice that goes against the Bible, for example, A Course in Miracles. S'il y a une voix différente qui va contre la Bible, comme un exemple, le livre Cours sur les miracles. Then it's an unclean spirit saying it's Jesus. C'est un esprit souillé qui se fait passer pour Jésus. So it basically, does it lead people to the Bible and the salvation the biblical way and to Est-ce que les informations que tu reçois lead les gens à qui tu parles d'une manière biblique, salvatrice,
comme il est écrit dans la Bible ou pas? Ou est-ce que c'est toi qui es Dieu, c'est toi, tu sais, parce que ça vient avec des beaux mots, hein, d'amour et de lumière, hein. Mais est-ce que c'est ce qui est écrit dans la Bible? OK? Because there's a code in the Bible, il y a un code dans la Bible. And the code is very special. And a lot of books, they don't have the code. Not everybody knows, pas tout le monde, les gens ne connaissent pas tous ce code dans la Bible. Le nombre de lettres, le nombre de mots, la manière... There is no other book that God wrote. Les autres livres, les livres d'Enoch, les livres qui parlent, conversation avec Dieu, tout ça, les gens qui viennent, il n'y a pas le code de Dieu. Et en fait, c'est comme ça qu'on reconnaît que c'est le message de Dieu, parce qu'il y a un code. Il y a un code, en fait. Il ne va pas forcément venir avec des mots nous d'humains, tu vois, d'amour, de lumière, de machin. C'est un truc, c'est vrai que quand tu reçois vraiment de Dieu, quoi, eh ben, tu peux voir, tu vas le vérifier dans la Bible, en fait. Donc, tu demandes dans tes prières que ce soit Dieu qui te parle. Parce que si tu peux canaliser, tu as le don de prophétie. Tu as le don de prophétie. Moi, je faisais de la guidance, tu vois. Et j'avais des choses. Mais c'était, je l'utilisais avec l'obscur. Maintenant, je demande que à Jésus, quoi. Et quand elle t'a posé la question, when she asked you, is this the Holy Spirit? Moi, j'ai senti non, direct. Et je suis sûre qu'il y a plein de gens ici qui ont senti non. Mais ce n'est pas un jugement, c'est juste, non, on sait quoi, tu vois. C'est juste, c'est une évidence, c'est une clarté en fait. Oui, parce que j'avais besoin d'entendre ça. J'avais besoin d'avoir... She needed to hear this. She needed to have... And can I speak to that spirit right now? Est-ce qu'elle peut parler à cette... So let's just speak to that spirit right now. Non? That is, that you... Is it one... Or more, okay, so it's more than one. Il y a plus d'un esprit avec toi, Natalia. So I'm speaking to all the spirits that you have been channeling. Elle parle de tous les esprits que tu as canalisés. Take the legal right back from them. De reprendre le droit, leur pouvoir. On va reprendre l'autorité qu'ils ont prise sur toi. And give it to Jesus Christ. On va la donner à Jésus-Christ maintenant. The biblical. Le Jésus biblique. Le vrai Jésus biblique, pas Sananda, le vrai Jésus biblique. And I'm just asking you to leave her now in the name of Jesus, all of you. Elle demande à tous les esprits de te quitter maintenant de ton corps, Natalia, au nom de Jésus-Christ. You don't have any right anymore. She took back the contract. She took back your legal right. Leave. Vous n'avez plus aucun droit à l'intérieur d'elle. In the name of Jesus, leave. Elle a cassé le contrat. Elle a repris son autorité et elle redonne tout au nom de Jésus-Christ. C'est lui maintenant qui a l'autorité sur elle. And just Amen. Notice what's happening within you. Et c'est ce qui va se passer à l'intérieur de toi. Tu vas pouvoir sentir les choses, être plus clair, plus libre. Alléluia. Yeah, so there has been, the next one that is up is the pride in your heart. La deuxième qui est là, c'est la fierté dans ton cœur. Il y a de la fierté. So then the next one, so it there are there is a little bit of deliverance needed. Il y a un petit peu de besoin de faire une libération là pour toi. But from the position of having given your life to Christ, you have the authority to speak to that. Darkness. Donc il y a besoin d'être aidé pour toi de libérer ça, mais depuis ta position de celle qui a donné sa vie à Christ et qui a été baptisée, tu as la possibilité et tu as l'autorité pour demander à cette entité, ce démon de la fierté, de partir. It's like it made you feel important to channel. C'est quelque chose qui dit que tu te sentais importante, ça te rendait fière de pouvoir canaliser. C'est un personnage important pour toi que d'être celle qui puisse canaliser Jésus. And this is, do you mind me saying the difference how I heard you after baptize? Est-ce que, me? Yeah, of course, no, I don't mind, yeah. Elle demandait si je lui donnais autorisation qu'elle m'entende comment j'étais avant et après le baptême. Because the day after your baptize, you told me something that I knew for the first time. It's like, if I follow what you said, it will lead to the truth, set you free, love, you know?
parce que le jour après mon baptême, je lui ai dit quelque chose qu'elle savait déjà de moi. And what is it that I said? Une chose qu'il disait, parce que moi, je sais que je crois vraiment que... No, I didn't say what you said. I just said that what you said had the truth that set you free. Yeah. You know, it was... Yeah. You know what it was, but it was like, I don't even it was remember. The truth. You know better that, than me. Yeah. But it was in the energy of the truth that set you free in the name of God, you know, that c'était, the truth in God. La manière dont je l'ai dit, c'était vraiment avec l'énergie de la vérité qui me libère au nom de Dieu. You can say what it was because I forgot, you know, and I have. Yeah, but I don't want to say it out loud right now. Yeah. Not for me, but because it involves another person, right? Ah, okay. All right. And then, but before there had been coming, what shall I say? Judgment. Advices. Yeah. That would lead to separation. Mais avant que j'avais fait ça, que je me suis libérée. Ça venait avec des conseils qui apportaient la séparation, en fait. Et cet orgueil, j'avais un gros démon de la fierté, hein, de l'orgueil, énorme. So, that was such a convincing thing of the difference, you know? I mean, that's what, that was God's gift, though. They create the truth that sets you free. It creates peace. It creates... God's order, it creates goodness. Et c'est ça qui a été pour elle une vraie révélation de voir ce qui m'est arrivé parce que c'était clairement la vérité. Et on voit que lorsque l'on est sur ce chemin-là, Dieu nous apporte le bien-être, la paix, la liberté, humbleness. La liberté et l'humilité. And often channels that I have never liked channelings. Elle dit, par rapport aux canalés, elle fait, j'ai jamais aimé, c'est vrai, elle a jamais aimé les gens, la canalisation. It's all about importance, I have something to say, it's a distraction. C'est une distraction, c'est très souvent à propos de, regarde comment je, mais même inconsciemment, hein, l'importance, les choses que j'ai à dire, ma capacité de pouvoir et l'intention, le respect, l'amour, les gens qui viennent à nous pour entendre ce que l'on a à dire. And people love that. Les gens adorent ça. Many likes. Beaucoup de likes sur Facebook. Yeah. And the real thing. Et la vérité, les gens aiment moins. Demons don't like that. Comme les passeurs d'âme, moi je ne suis pas ça. La communication avec les défunts. Alors ça, c'est dans la Bible, hein, c'est interdit de faire ça. She said, and what about people that help people dying to cross over and communicate with dead people? No. Demons and knows. Demons, you know, they are intelligent. They know everything about us as well. Les démons sont très intelligents et ils connaissent tout sur notre vie. Lucifer knows everything about us. And he uses it up to distract us from the way, the only way through Jesus Christ. Et il utilise tout ça pour nous distraire du chemin de la vérité et de Jésus, en nous donnant la capacité d'avoir tout sur la vie des gens, toutes les connaissances d'art, des machins, de nous faire croire qu'il y a des vies passées. Je fais partie de cela. Hein. And this is the important thing because I bet you believe in reincarnation. And have had experiences about past life. We have, right? Yeah, exactement. Nous avons eu, nous deux, des expériences de vie passée. But we have to start, because we have an experience and we may be completely deceived because we are talking about, this is the master of deception. I was completely deceived. En fait, on a été complètement dupé parce que Lucifer, c'est le maître de la duperie. Et il sait tout. Il peut nous dire tu as été la reine Elisabeth II en 2027 et il racontera tout ce qu'elle a fait parce qu'il sait tout. C'est juste une distraction. And if you, the test you do to test spirits, to test... Le test que tu peux faire pour voir si l'esprit est correct pour toi, il est vrai, c'est vraiment l'esprit saint. You really check in with the spirit. Do you believe in Jesus Christ, the one that died on the cross and resurrected? Tu le poses la question.
qui te canalise. Est-ce que tu crois à Jésus-Christ, celui qui est mort et qui a eu la résurrection? I've done this with clients, ex-clients. J'ai fait ça avec des anciens clients. With spirit guides, qui ont des guides angels, des anges. And their beautiful little light phase changed to et leur hate, amour et lumière qui était avec leur to the true face. C'est transformé en haine. So you don't have to believe this. You can test it. Tu n'as pas besoin de croire à ça. Tu as juste besoin de le tester. Tu as juste besoin de poser cette question et tu verras par toi-même ce que l'esprit dit et comment on réagit. Et s'il est dans la haine de Christ, tu le sauras tout de suite. Ok. Alors, merci, super. Emeline, Sylvie, Sylvia, Mia Faubelet, mais ça doit être ton nom de famille. Oui. Je sais. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Vas-y. Ben voilà, moi je voulais poser la question parce que je suis d'origine belge, j'ai été vivre à Liège pendant un moment. J'étais dans une phase très très basse de ma vie. Je me suis retrouvée à prier Jésus. Malheureusement, je suis tombée sur un pasteur qui était certainement qui avait eu certainement le Saint-Esprit sur lui parce que je veux dire, il savait tout ce que je faisais à la maison. Le Saint-Esprit ou Lucifer, c'est rien à voir. Hein. Et je ne sais pas parce que justement, il prenait l'argent des pauvres et ça m'a. Mais le problème, c'est que j'ai eu un fils avec lui et mon fils est en train de partir dans tout ce qu'il ne faut pas et ça me va loin. C'est pour ça que je venais demander parce que j'ai eu une expérience quand j'étais en réunion avec eux. Je me suis mise en prière avec eux et comme si jamais j'aurais eu une boule de lumière, mais totale, alentour de moi. C'était d'une beauté pas possible. Et apparaît, je ne sais pas si j'ai été enceinte avant ou après cette expérience. Et je sais bien que mon fils est destiné à quelque chose d'autre et je le sens dans le fond de moi. Mais il part vraiment dans tous les vices qui puissent exister chez l'être humain. Et ça me va très, très, très loin. Et je voulais savoir si jamais c'était... comment expliquer, c'était une expérience assez douloureuse pour moi, mais je suis toujours avec Christ malgré tout et j'arrive pas à avoir l'Esprit Saint parce que je suis partie dans le New Age et tout, et le New Age parce que après je me suis mariée avec un monsieur et qui était très très bon et on me faisait voir autrement, mais maintenant j'ai demandé le divorce parce que je pensais que c'était un pervers narcissique et en réalité je vois que c'était mes ombres qui ont fait en sorte que je divorce quoi, et maintenant il est trop tard et bon voilà, il est en train de refaire sa vie et j'envoie plein d'amour à ces gens-là parce que franchement il m'a montré mes défauts et c'est assez difficile à vivre. Et le pire c'est que j'ai fait aussi un soin chamanique et avant quand je parlais de Jésus j'avais les larmes aux yeux et après le soin chamanique je les ai plus et ça m'attriste beaucoup, beaucoup. Ok, alors attends parce que là il y a beaucoup d'infos qu'il faut que je traduise. Oui. Donc je vais faire une petite I'm just gonna ask you to resume before you translate because that's like heavy. Donc la première chose c'est tu es en Belgique, ça voilà. Oui. Tu as rencontré un prêtre, un pasteur africain. Africain. Oui. Ok. Tu as eu un enfant avec lui? Oui. Il avait. Mais tu étais sa compagne, vous étiez mariés? Non, j'ai failli rentrer dans une secte et j'ai eu un ange, entre guillemets, dans ma vie qui est passé pour me dire ne rentre pas dans ça, tu vas vraiment pas être bien. Okay. Alors, I'm starting with this first thing. Well, she's from Belgium. She met. Ça, c'était il y a longtemps? 20 ans. 20 years ago, she met a pastor, African pastor. That she got a child from, but they were not married. And yeah. With a pastor and not married. Yeah. Okay, yeah, he's not a pastor. Ouais, c'est pas oui, pas... oui. Voilà. Ça voilà. Et c'était un peu de secte bizarre. Ça l'a coupé. Et so she had a son with him. So she said that before she got pregnant from the son, there was some kind of like. They came all together and they were praying and meditating and she saw a light and it's like she got pregnant. So she doesn't know if she got pregnant. She feels her son is special,
But right now, her son is going in all the wrong direction. He's doing everything that is really bad, okay? So she's suffering for her son. She, okay, two more things. She got married with another man that she thought was a narcissistic pervert, but then she realized it was not, that she was the one that was dark and attacking him. And now they divorced, he left, he's remarried, and she feels super bad, you know, because she understands and she's full of gratitude because he showed her her wicked ways. Then she did a shamanic transformation like thing. And before that, when she was connected herself to Jesus, she was crying, she had tears in her eye. But now, since she did the shamanic thing, she doesn't feel it anymore. I feel a lot of voodoo and dark, yeah? Yeah. Yeah. So c'est quoi ta question? What is your question? Ben, ma question était surtout pour mon fils, parce que je voulais savoir du fait qu'on l'a fait dans le péché. Ouais, mais là, tu vas demander... Fais attention parce qu'on n'est pas... On va, bon, je vais voir. Je vais quand même voir ce qu'elle va répondre. Donc, she wanted to ask a question for her son who is not here. So, I don't want to do like vision. But what is your question? C'est quoi ta question? Je suis perdue en réalité parce que moi, je me remets du côté de Jésus et je vois que j'ai quand même... Je suis vraiment attaquée beaucoup de fois. Je ne dors pas bien la nuit, tout ça. Et... She's lost. She's want to get connected with Jesus, but she has a lot of attack in the dark, in the night, and she's very lost and confused right now. Yeah. So it always starts, the salvation process always starts from recognizing, hey, le processus de salvation et de guérison commence toujours par toi qui reconnais que tu es pécheur et que tu as des choses qu'il faut que tu transformes. I've done sins, like everybody else. Comme tous les autres, j'ai péché comme tous les autres. And start to, it's like you can, for me it helps to actually repent them as you feel them. Pour elle, ça aide énormément de repentir maintenant quand tu sens ce que tu as fait. Là, par exemple, tu es en train de parler de toutes les choses et c'est le meilleur moment pour toi de te repentir, en fait, parce que tu sens ce que tu as fait, tu sais ce que tu as fait. But it's really in the end like putting all the sins on the cross. C'est vraiment mettre tous tes péchés sur la croix. And it's like really crying out from that pain, Jesus, I really need you as my Lord and Savior. Et c'est vraiment pleurer depuis cet endroit de Jésus, j'ai vraiment besoin de toi. En tant que mon, I can't save myself. Comme mon maître et seigneur, parce que je ne peux pas me sauver seul. C'est ce que je prie tous les soirs. That's what she prays every night. Yeah. Thank you for dying on the cross and buying me free. Merci d'être mort sur la croix et de m'avoir acheté pour ma liberté. And I'm turning to you, God, now. I'm choosing to follow your will. Je me tourne à toi, Seigneur, maintenant, et je choisis de suivre ton verbe. Your law, your order. Tes lois et ton ordre. And all the people you need to forgive, just choose to forgive them. And this normally, you know, the Holy Spirit will bring up which people that is... We have to forgive. We have to choose to forgive. We don't have to feel the forgiveness, but we have to choose to forgive anybody who caused us pain. On doit choisir. T'es pas obligé de le ressentir. Le simple fait de choisir de pardonner toutes les personnes qui t'ont fait de la peine. Je le fais automatiquement. Et tous tes ennemis. Et au moment où tu dis que tu les pardonnes, tu vois qui apparaît. Tu sais exactement qui a fait quoi que ce soit. Elle dit, she does this all the time. Yeah, and forgive myself. I ask for forgiveness for my unforgiveness and bitterness. Et demande pardon pour toi, pour ton amertume et ta tristesse et la peine que tu as. And here she says she does that. Yeah, and here there is a lie hein? That you believe.
What did you say? There is a lie that she believes. OK, il y a un mensonge auquel tu crois. Because you still don't perceive you're forgiven. Parce que tu ne perçois pas encore que tu as été pardonné déjà. Parce que je crois que personne ne m'aime. She believes that nobody loves her. Exactly. Exactly. And that's where... So I'm speaking to that lie. Donc elle parle à ce mensonge. Take the legal right from that lie, and because that's really Satan. C'est Satan qui est là. Donc prends tout le pouvoir de ce mensonge, de Satan qui est là sur toi. And give the legal right to Jesus. Et donne ces droits à Jésus maintenant. And breathe in Jesus. Invite Jesus to where you don't feel loved. Assieds-toi, or where you hear the voice that you are not loved, the lie. Et respire, va dans cet endroit à l'intérieur de ton corps où tu sens, où est-ce que tu sens dans ton corps que tu n'es pas aimé? Là. Voilà, donc va là. Yeah. Va là, ferme les yeux et respire, yeah. Jésus là. Inspire, appelle Jésus pour venir dans cet espace-là. So I'm speaking now to Satan, et to the même. Devil, just leave her. You have no right to be there now. Leave her in the name of Jesus now. Go back where you belong now. You leave her. She's God's child and you know she's choosing God and she's not going to stop until she knows that of her whole being. But you leave her now in the name of Jesus. Just invite Jesus there. Invite Jésus ici au nom de Jésus. Que tout ce démon, que ce Satan parte maintenant. Thank you, God. Thank you, God, for loving me and sending the Son to die for my sins. Merci, Dieu, de m'envoyer Jésus, d'être mort pour moi, pour mes péchés. Je redonne mon autorité à Jésus. Thank you for that move, and I'm moving towards you now. Je vais vers toi maintenant. There you go. Ça y est, il part là, il est en train de partir. Thank you, God. Merci Dieu. Merci mon Dieu. Merci, mon just Dieu. How do you feel right now there? Comment tu te sens juste là maintenant à cet instant? Comment tu te sens? Ça va. Je me sens plus moins lourde et j'ai la chaleur qui est passée par derrière, pas par là. Il est passé dans le dos. Elle se sent moins. She feels less heavy and she felt heat coming from the back, like and caressing her from like. Yeah, oui, il a fait ça, c'est venu par le dos, par le milieu du dos. It came from the middle of the back, yeah. And straight to the heart. Yeah. Yeah. So there is some when we start with the salvation process, there is very often deliverance needed. We have to listen to the lies because the normal one is doubt. The spirit of doubt. Quand tu commences le processus de salvation, de guérison, de libération, il faut que tu apprennes à vraiment écouter ces démons. Et le plus fort, c'est souvent le doute. Il y a le doute qui apparaît. Doubt fights faith. Le doute combat la foi. And faith in what Jesus did and receiving the grace of God is the currency of heaven. Et la foi de ce que Jésus a fait. Et que tu peux avoir la grâce de Dieu, c'est l'argent, c'est la monnaie pour entrer au paradis. So we have to start to listen to the voices. On doit commencer when we choose Jesus. Quand on commence quand on choisit Jésus dans la vie, c'est là qu'il faut qu'on prête vraiment attention aux voix dans notre tête, principalement celle du doute. And bust the liar. Et que là on voit que c'est le menteur. Et là tu reprends l'autorité. Tu reprends l'autorité et tu remercies. Après, parce que le matin, je ne veux pas me lever pour prier. Bon, on me dit non encore un petit peu, mais je dois me forcer. Et le soir, on me dit, c'est comme si je me dirais, mais non, c'est de la connerie. Il ne faut pas croire tout ce qu'on dit. Le matin, voilà. Morning, when she wants to pray, there's a voice that says, no, just sleep a little bit more. Yeah. And at night, when she wants to pray, there's a voice that says, no, that's bullshit. You don't want to believe in all of that. This yeah, is... so that voice, we take the legal right from that voice now and give on it reprend to Jesus. Le pouvoir et on reprend l'autorité sur cette voix, ici et maintenant, au nom de Jésus-Christ. Ici et maintenant, on enlève ça.
Merci. And ask that voice to leave now. Bring that light back to where it belongs. Leave her now. She is looking for God's truth, God's word, the biblical God's word. We ask you to leave. Bring the lies, the master of liar and all the deception, leave now in the name of Jesus. Que le maître de la des mensonges, de la déception, parte maintenant au nom de Jésus-Christ, qu'il la quitte maintenant. Elle n'est ici que pour être l'autorité et la fille du Seigneur. Tout ce qu'elle cherche aujourd'hui, c'est la voix de Dieu et la vérité et la simplicité. Que tout ce qui est démoniaque, Satan mauvais, parte maintenant. And you see, this is a snake, right? You see the ouais, snake. Yeah. Ouais, c'est un serpent. Yeah. So it hasn't really left yet. So just. Pas complètement parti encore. See it. You know, see it. I am not voilà. That. Vois-le, visualise-le, ferme les yeux et vois à quoi il ressemble. Ça ressemble comme un serpent. Yeah, even if you don't see it, you may sense it. Même si tu ne le vois pas, tu peux le sentir. Tu peux sentir comment il est. Je le sens vraiment parce que je tremble. And she feels it because she's shaking. Yeah, so I'm just speaking to this snake right now. And you leave her in the name of Jesus. And we're asking Jesus to come in where... It still has a hold, and I sense it's under the right lung, like in it's in the lung, like it's strong, like it it makes it difficult to breathe in the in the bottom of the right lung. Elle le dit de partir de ton corps. Elle sent qu'il est en dessous du poumon droit et que ça t'empêche un petit peu de respirer. Ça bloque un peu ta respiration. Donc, it sucks life out of a sadness place. It's ça, sadness. Ça te prend la vie à propos de la tristesse qui est dans cet endroit, dans le poumon qui est là. Et c'est là qu'il est, dans le serpent, c'est là qu'il est, qu'il est nourri. So invite Jesus into that sadness. Ferme les yeux et invite Jésus de venir dans cet endroit de tristesse dans ton poumon droit. And we just ask it to fully leave now in the name of Jesus. On lui demande au serpent. Take all the legal right from it. Tous ses droits légaux au nom de Jésus, qu'il quitte maintenant le poumon droit. Give it to Jesus. Donnons à Jésus. Give her in the name of Jesus. There we go. Ça y est, c'est en train de partir. This had very much to do with failed relationships. C'est très très lié à toutes les relations qui ont été détruites, qui n'ont pas les échecs dans tes relations. En train d'être guéri là. Yeah, so there will be a little bit more deliverance here, but now you kind of now you start to get the hang of it, right? Now you have the experience of it. Having to leave when we ask it, right? Ok, il va encore avoir un petit peu de libération à faire, mais tu es en train de ressentir, et là, tu as senti ce qui se passe quand on demande au nom de Jésus que ça parte. Tu sens la libération de toi. Tu sais ce que c'est quand on prend le pouvoir, quand on reprend l'autorité de quelque chose et qu'on le donne à Jésus. Tu viens de sentir, tu sais ce que c'est. Tu peux continuer, hein? Il faut continuer dans les jours qui suivent. And what's going on right now in her? Is she in a cool place to... Incroyable, merci. Un what grand say, merci. Merci. What did you say, Suzanne? If she's in a good place to do it? To kind of leave her where she is, because there is more, right, to deliver, but she, what I just want to make sure she's cool, like okay, where she is now. Yeah. Elle demande, elle dit, il y a encore des choses à nettoyer chez toi, mais là, elle voudrait savoir si tu te sens mieux. Oui. Si tu penses que les choses vont mieux. OK. Yes, she is. Oui. So just commit that you all, if you can't win over your own darkness, take help until you can, you know? OK, juste applique-toi que si jamais tu n'arrives pas à être à combattre ton propre côté obscur, de demander de l'aide et d'avoir des gens qui peuvent t'aider par rapport à ça. Donc tu es dans mon groupe de prière ou pas? Oui. Ok, donc tu n'hésites pas à demander. Oui, mais je passe par vous parce que je ne trouve pas d'église, parce que j'ai une crainte par rapport à ce que j'ai vécu. Oui, mais là tu l'as. Là tu es avec nous. Retourne pas là dans ça. C'était des choses qui sont en train de partir. N'oublie pas, le doute, ça fait partie de toutes ces. D'accord. Toutes ces attaques. Connecte-toi au nom de Jésus-Christ. Connecte-toi à lui. Mm-hmm. Reprends les droits. Et redonne les droits à Jésus à l'intérieur de toi.
demande qu'ils viennent, qu'ils soient là. Ne t'inquiète pas de ce qui s'est passé, des trucs, etc. Tout ça, c'est un grand merci en tous les cas. Merci, Julie. Vraiment. Thank you, Susan. Merci. Okay. Merci à Suzanne. Merci beaucoup. Merci. Amen. Amen. Wonderful. Oh, yeah, that was good. That was a relief. Very good. That was a big, huge relief. Let's see if there is one more thing because it's going to be late night. So let's see if we have any more questions. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ou quelqu'un qui veut dire quelque chose, Emmeline? Oui, avant qu'on parte, vas-y. Oui, bonsoir à toutes les deux. Ça fait depuis mon enfance que je crois en Dieu, en Jésus. Je sens qu'il y a quelque chose qui m'attire vers ça. Or, à chaque fois que j'ai voulu me rapprocher du culte, soit de l'Église catholique, le lieu, même l'ambiance, je ne me sens pas à ma place. Laisse-moi traduire ça d'abord. She believes she's been called to Jesus and believe in Jesus since she's a little girl. But anytime she wants to get closer to a cult, something more Catholic or whatever, she doesn't feel like she's in the right place, that she belongs there. Belongs to Jesus or belongs to the occult? To the cult. To the occult. Yeah. Anytime she gets closer to a cult, she doesn't feel she belongs. Yeah. J'ai toujours essayé de me rapprocher pour essayer de comprendre, connaître et me rapprocher parce que je me sens liée. Et je me suis également rapprochée des églises évangélistes où là, je me suis sentie touchée, on va dire. Enfin, she always try to get closer to him, you know, to get more relationship with him, but she get closer to evangelist church as well, which was a little bit more fulfilling for her. Mais pareil, j'ai toujours ce doute et j'ai des mauvaises sensations, genre c'est pas à ma place. J'ai toujours ce. She always have a doubt and a feeling that she doesn't believe there, that this is not the place where she should be. With Christ. With Christ, avec Christ ou avec le culte? Non, oui, j'essaie de me rapprocher par le culte pour le connaître davantage. Okay, so you were right, Suze. She tried to get closer to him via the cult, but anytime she tried, she just never feels like she belongs. But am I understanding correct? Occult, like witchy? No, cult is like a church. It's a place where people can go and pray. Like a church. Un culte que tu dis, c'est comme une église. C'est un lieu de culte, un lieu de rencontre où les gens prient. Oui. Du coup, j'essaie de faire moi, avec moi seule. Je demande des signes, j'en ai pas. Et j'ai l'impression... She's trying to do it by herself. She's asking for some sign, but she doesn't get any. Yeah, okay. So there is a religious, there is both the doubt spirit and the religious spirit here. Yeah, l'esprit de religion et l'esprit du doute avec toi, Amélie. Because the Holy Spirit is not, l'esprit doesn't live within you, right? L'Esprit Saint n'est pas encore à l'intérieur de toi. Mais justement, je voudrais et j'ai beau demander. She says she would like to, but she keep asking and it doesn't come. Yeah. So. Je demande que ça. That's what she wants. But yes. And this is just to speak to the whole, to you and the whole. Pour parler à toi et au groupe tout entier. I meet so many people who were raised in church. Il y a plein de gens qui ont été élevés dans l'église. And they did not. Et qui n'ont pas reçu. There was God's spirit wasn't there. L'esprit de Dieu n'était pas dans l'église. Doing religion. Au milieu de la religion, c'était pas Jésus. And so there is. And when humans do religion, that's disconnection from God. Et quand les humains font la religion, c'est une déconnexion de Dieu. Tout à fait. So I understand it's like when you go to that church, the Holy Spirit isn't there. Donc, ce que je comprends, c'est que quand tu vas dans ces endroits de culte, elle dit il n'y a pas l'Esprit Saint, tu ne peux pas le ressentir là-bas. Elle fait, toi, tu le ressens l'Esprit Saint là-bas ou il y est? Non, et j'ai l'impression de ne pas le ressentir. Et j'essaie de me rapprocher d'aller dans les connaissances, le savoir, la lecture. She said no, she doesn't feel it, so she tried to get closer to read, to understand, to get some knowledge, but she doesn't feel it. So we're just going to go through it, and anybody who feel called to can follow, because what we're doing now is we're going through
the salvation process and we see where it kind of stops. So elle va aller à travers toi étape par étape jusqu'à la salvation et elle appelle que toutes les personnes qui sont dans le groupe là qui ont envie de faire ça se connectent parce que c'est juste quelque chose d'étape pour voir les salvations et y aller justement vers l'Esprit Saint. Donc actually I have to start with everybody tuning in to the longing of God because you have a strong longing. OK. On va demander à toutes les personnes parce que toi tu as vraiment un désir de te connecter à Dieu. Donc on va demander à toutes les personnes ici de se connecter à leur véritable désir. I'm just asking the Holy Spirit to come down in reach into that longing. But notice how the longing on va demander à l'Esprit Saint de venir maintenant et d'aller se connecter dans cet espace, ce lieu où il y a un vrai besoin, une vraie envie de se connecter. Oui, oui, du fond du cœur. What did you say? Yes, from the bottom of our heart. Yeah. So just stay there and just and call after the Holy Spirit and say, hey, Jesus. Va dans cet espace à l'intérieur de toi qui a vraiment. I know you died for all my sins. Et dis à voix haute, Jésus, je sais que tu es mort pour mes péchés. Jésus, je sais que tu es mort pour mes péchés. And I put up all my sins on the cross. Et je mets tous mes péchés sur ta croix. Et je mets tous mes péchés sur ta croix. I die with you. Je meurs avec toi. Je meurs avec toi. And I resurrect. Et je renais. Et je renais. With you. Avec oui. toi. Avec toi. Yeah, and here I'm speaking to the religious spirit that think you have to be more, do more. There's something, it's like, what do I have to do, right? Elle parle maintenant à l'esprit, au démon, l'esprit de la religion qui est avec toi et qui t'accuse et qui te demande toujours de faire plus, de t'appliquer plus, de faire encore plus de choses, que tu dois toujours être encore plus méritante. D'accord? It's never enough. You're never good enough. Que tu n'es jamais à la hauteur. T'es jamais you don't really deserve it. Que tu ne mérites pas d'avoir le And we don't have to deserve God's On n'a pas besoin d'avoir l'amour de Dieu. We are all sinners, so we don't deserve it. On est tous des pécheurs, donc on le mérite. Personne de nous le mérite. So I'm speaking to this religious spirit. Elle parle à we cet esprit. We take the legal right from you and we give it to Jesus. On reprend ces droits de pouvoir qui en sont sur toi et on les donne à Jésus. On met Jésus à la place. And just breathe in, Jesus, invite Jesus in where you haven't felt good enough, not deserving, respire, not know inspire. What to do. Inspire Jésus à l'intérieur de toi dans cet espace qui se sent pas à la hauteur, qui ne mérite pas, qui ne sait pas quoi faire pour pouvoir l'accueillir. Cet endroit qui est quelque part dans ton corps, connecte-toi à lui et invite Jésus dans cet espace-là, juste invite-le. And I'm just speaking to the spirit to leave her now in the name of Jesus, religious spirit. Leave her in the name of Jesus. You have no legal right to be there. This is the gospel of grace. C'est le gospel de grâce. It has nothing to do with what we do. We just have to receive that the gift that we were bought free. Et je parle à l'esprit de religion et je lui dis de partir, partir de cet endroit à l'intérieur de toi. Ici, c'est le gospel de la grâce. Nous n'avons rien à faire pour pouvoir avoir l'Esprit Saint et Jésus dans notre vie. Ici, tout le monde le méritant, tout le monde peut avoir, c'est que cet esprit parte maintenant au nom de Jésus-Christ, qu'il parte maintenant et qu'on lui donne les pouvoirs légaux de l'autorité légale au nom de Jésus-Christ, au nom d'Emeline. Que tous les esprits de religion, les esprits du doute, les esprits malins et menteurs frappés partent immédiatement le corps d'Emeline et que tout soit nettoyé, que tout soit répondu par l'Esprit Saint et par la puissance de Jésus-Christ ici. Venir dans cet espace qui recevez l'Esprit Saint, qui tombe sur toutes les personnes qui en ont besoin maintenant. Que tous les droits légaux, toutes les allégeances à tous les démons, à tous les mensonges partent maintenant et que l'autorité divine et sacrée de Jésus-Christ soit remplacée maintenant dans tous ces espaces sacrés. Ça vient ici. Il n'y a rien besoin de faire. Qu'à recevoir. Recevez la grâce du Seigneur. Recevez l'Esprit Saint maintenant. Vous le méritez. Et Jésus vous aime. Et Dieu vous aime.
Vous êtes profondément aimé. Vous êtes à la hauteur. Tout est parfait. Recevez, recevez. Commencez votre relation avec Jésus. Tous les démons partent maintenant avec l'autorité de Jésus. Qui quitte maintenant votre temple. Il n'y a plus d'espace pour eux. Par la grâce du Seigneur, que tout soit annoncé, que tout soit mis maintenant. Tout ça nettoyé. Que la grâce vienne, que tout soit réparé, que toutes les douleurs soient réparées. Just ask her if she perceives she is forgiven when she's asking. Maintenant, for forgiveness, demande pour le pardon, Emeline, et est-ce que tu ressens que tu es pardonnée? Oui. Oui, yes. Je ne me sentais pas jusqu'à présent, je ne me sentais pas. Until now, she didn't feel worthy of it. But now she feels it. Maintenant, ça y est, tu le sens? Tu le sens maintenant? C'est bon? C'est dans le cœur. It's in the heart that it's huge. It's big. Yeah. It's beautiful. C'est beau, hein? Bienvenue. Merci. Amen. Yeah. Yeah, religion. Yeah, it has nothing to do with Jesus. La religion n'a rien à voir avec Jésus. Rien. Wow. Beautiful. Baptiser. Oui, mais tu peux te refaire baptiser. Tu peux tu vas le refaire là? Oui, je suis baptisée dans l'église catholique, mais là, je vais essayer de trouver un temple à côté. Même pas forcément un temple. Tu sais, tu es sur mon groupe de prière ou pas? Non, pas encore, Julie. Ok. Donc, je vais le donner. Je vais donner le lien sur ma page, tu sais, ça, et c'est sur Telegram. Et je vais te donner une map du TLR, qui est The Last Reformation, qui est un groupe de chrétiens, en fait. Et tu vas pouvoir voir qui y a autour de chez toi. Et ils peuvent t'accueillir et faire le baptême. Ils peuvent soit venir chez toi, soit tu vas chez eux. Et ça n'a rien à voir avec des églises ou avec des temples. C'est vraiment des vrais chrétiens qui vont le faire, qui ont, eux, déjà reçu l'Esprit Saint et qui sont dans cet état d'esprit-là. Yeah. Yeah, I haven't been to church yet. Elle n'a pas encore été dans une église ou à l'église. Moi non plus. Church in for Jesus, definition of church is where two or more are in his name. La définition de l'église pour Jésus, c'est quand une ou deux personnes ou plus sont réunies avec l'Esprit Saint. There I am. So here, now, yeah, we this have is a church. Ici et maintenant, nous sommes dans une église, là sur Zoom. Nous sommes réunis avec l'Esprit Saint. Oh, que Dieu prenne soin de vous. That God take care of us. Yes, merci. You as well. You merci. You as well. Ok, est-ce que on va bientôt quitter? Sylvia, tu es revenue? Tu es là? Est-ce que tu as quelque chose que tu veux dire? Oui, alors du coup, ça fait longtemps que je te suis. Je n'ai jamais osé te parler du coup. Je vais faire très brève. Hein. Mais du coup, quand j'ai vu l'interview avec Karim, là, ça a été oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Mais pas le choc par rapport à ta conversion. Mais par la vérité que tu dégageais et que Karim dégageait. Okay. Et là, so j'ai trouvé un sens. Oh, she said that she's been following my work for a long time, that she had a shock when I got baptized, but she had a big one because I did an interview last week with Karim, who's like, why Jesus is a young man that talks about Jesus. And she said she was really struck by the truth that was coming for me and for him. It was not really what we were saying, but the energy of truth. Et alors du coup, vu que j'étais dans le mouvement New Age, j'ai tout essayé. So she was in the New Age movement and she tried everything. Encore récemment, j'ai fait une hypnose en novembre. Oh, she did an hypnose last November.
Et du coup, ça fait 2 semaines et demie que je suis en train de manger des vidéos, de voir des, les écrits. J'ai pas encore de Bible, donc j'ai commandé ma Bible. She has ordered a Bible. She doesn't have the Bible yet, but it's two week and a half that she's watching videos and all of that she can on Christ. Et comme les personnes qui sont là, donc j'ai été baptisée quand j'étais petite, j'ai fait la communion, j'ai fait tout le... Okay, she was baptized as a young child, communion, all the things, Catholic ways. Doesn't matter. C'est pas grave. Ok, et alors du coup, là je suis dans un groupe sur Telegram, donc je suis dans ton groupe et aussi dans un autre. Elle est dans Telegram and in another one as well. Donc, moi, je me trouve du côté du Portugal, donc il y a presque She's personne. In Portugal right now. There's not a lot of people there yet. Mais je suis en contact avec des personnes de France qui pourraient venir jusqu'ici pour me baptiser. Alléluia! But she's in contact with people of France that will come to Portugal to baptize her. Et j'ai trouvé ça magique en 2 semaines, que comme les communications, comme la connexion est facile et fluide. She said it was magical for her to realize that those 2 weeks, the communication is easy and flowing. Mais par contre, j'ai une question par rapport dans le couple. About relationship, about a couple. Quand l'un est en train de changer, de complètement changer. Ok, Suzanne, you're gonna laugh. When one is changing. Et que l'autre ne me reconnaît plus parce que je suis en train de virer complètement folle. Il est en train de me... Enfin, voilà. Ok, and says that the other one do not recognize her because he says that she's becoming crazy. Alors, on a des débats, mais pas houleux, hein, mais des débats concernant la Bible. It's not like dangerous or arguments, but they have a lot of debates, you know. Donc du coup, je me pose la question, comment faire pour arriver à ce processus de baptême et que l'autre suit en fait. Oh. C'est compliqué. So she's asking, what is it to do in the process of her own baptism that he follows up? Yeah, so it can only go 2 ways. Ça ne peut être que 2 manières, que 2 choses qui peuvent se passer. Mm-hmm. Either he follows you, ou il va te suivre, or he will reject you. Ou il va te rejeter. Point. And that can, you know, when the Holy Spirit comes over, quand l'Esprit Saint vient, free with both ways. C'est le libre arbitre des 2 côtés. Were you married? Est-ce que tu es mariée avec lui? Non, mais non. Ce qui est marrant, c'est qu'on n'avait pas l'intention de se marier. Et là, depuis récemment, je lui ai posé la question, du coup, et il m'a dit, oui, il n'y a pas de problème civil. Alors, je ne m'attendais pas du tout à sa réponse. OK, no, they're not married, but lately, she's been asking him, can we get married? And he actually said, yeah, OK, cool. OK, so don't get married before... You know where he stands, right? Like, ne te marie pas avec lui. Because once you get married, you do not divorce. Parce que aux yeux de Jésus, quand tu te maries, tu ne divorces pas. D'accord? Donc, ne te marie pas avec lui avant d'être sûr de où il se positionne. Mm-hmm. Okay. Par rapport à ça. But you can't, like, we cannot force anybody. Like, we don't push anybody, we can never put conditions. You have to come to Christ. Ouais. Tu peux pas conditionner, tu peux pas lui dire il faut que tu fasses, forcer, tu peux rien faire. Ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne et c'est pas un truc qu'on recommande de faire. Oui, mais je. What I have seen is that couples that have been married and the woman comes to Christ. C'est ce qui arrive très rapidement, très souvent, quand les gens sont déjà mariés. Et que la femme va à Christ, the man follows. Quand ils sont that has happened in the holy circle. Ça a pris beaucoup dans le cercle de sainteté, de guérison qu'il y a autour de nous. D'accord? Très souvent, ils sont déjà mariés. Et c'est la femme qui va à Christ avant et après l'homme qui se fait baptiser. And if you were not married, which I was never married and I've been in a relationship since I was 15. Et si tu n'es pas mariée, et elle donne elle en exemple, elle n'a jamais été mariée et elle a été dans des relations depuis qu'elle a 19 ans,
et moi je suis là pour témoigner qu'elle était avec quelqu'un quand le Christ est venu dans sa vie. I just say, I'm witnessing that you were with someone when Christ came in your life. And because then I, after the Holy Spirit, I saw that I was in not God's order, in I was not in the correct position in God's order in any of your relationship. Anywhere. Anywhere. Et ce qu'elle a vu quand elle a eu le Saint-Esprit, c'est qu'elle n'était pas dans l'ordre divin que veut Dieu dans aucune de ses relations, mais nulle part non plus. Elle était très au-dessus. So the one that was attracted to my self-reliant, I met somebody who was attracted to my self-reliant. La personne avec qui elle était attirée par le fait qu'elle n'avait besoin de personne et qu'elle était autosuffisante en fait et qu'elle gérait. C'est ça qui l'excitait, c'est ça qui l'a aimé chez elle. Et elle était plus ça une fois qu'elle a eu Christ dans sa vie. A godly man would never have been attracted to de Dieu n'aurait jamais été attiré par qui elle était avant, jamais. So when I came into the feminine position in God's order, donc quand elle est arrivée dans la position de la femme dans l'ordre de Dieu en fait, qui doit and in the daughter position and in the daughter position et dans la position de la fille aussi de Dieu, I was not attracted to him and he wasn't attracted to me. He really perceived I died. Yeah. Elle n'était plus attirée par lui et lui n'était plus attiré par elle. Il lui a dit, mais t'es morte en fait. La femme que j'ai connue, elle n'existe plus. And he really, I mean, he has read the Bible. He really think it's all like a fairy tale. Like it's make believe. Il a lu la Bible. Il connaît très bien la Bible et pour lui, c'est un mythe. C'est un conte de fées. Il croit pas du tout. C'est oui, t'es parti en couille meuf, tu vois. Even if I'm just, you know, I'm happy, I have a mission. Et like, elle dit, mais je vais bien, je suis heureuse. I don't project anything, I don't need anything. Je veux rien like, de toi. I'm fulfilled. Je suis là pour te servir. Et elle aussi, elle voulait se marier. Elle n'était pas mariée, mais quand elle est revenue, moi, elle me l'a dit. I said you didn't want to get married, but you was perceiving you was going to get married. Quand elle est rentrée de son baptême au Costa Rica, elle lui a dit, il ne le savait pas, mais elle avait dans le cœur, elle me l'avait dit, que là, elle était prête à se marier avec lui. Et lui, il n'a pas vu ça. Parce qu'elle, elle était vraiment dans la position de la femme. Mais lui, il aimait la femme qu'elle était avant de voir Christ, en fait. Mm-hmm. Il pensait qu'elle a pété un plomb. But then there is a good story. Case for Christ, if she understands English, the case for Christ, right? It's so beautiful. The movie is in French as well. Il y a un film que je lui ai conseillé, qu'elle a vu, qui est vraiment bien. Et qui est en anglais c'est The Case of Christ et en français c'est Le Procès de Christ ou quelque chose comme ça. Because she really teaches us the process because I understand her. I was praying that, like I was thinking that, but she was married, right? And she had children. Ça, c'est ça. Et en fait, dans le film, elle va avec Dieu et elle est mariée avec avec le héros du film. Et elle dit qu'elle a Suzanne dit qu'elle a complètement compris cette position parce qu'elle a été là. Elle a aussi prié énormément pour que son homme vienne avec, mais ils n'étaient pas mariés. Alors que elle, dans le film, il est marié. Le film, il est vraiment bien. Ça s'appelle. Je vais chercher en anglais. Je vais chercher en anglais. But really, Jesus, like God, becomes number one. He becomes our. We become his. Almost that. It's not engaged. In Sweden, we have a beautiful word. It's like faith engaged, which is like a pre-ring. It's not a married. It's the first engagement ring, but it's like the engagement in faith. Like we become that. Really, Jesus really become our fiance dans la foi avec Jésus. Yeah. Et moi, je sais que quand je me suis fait baptiser, j'ai vraiment, when I got baptized, I thought I was going to marry, do you remember? J'ai vraiment dit que j'allais me marier. But the bride comes at a later stage, because in heaven, we are not married. Mais au paradis, on n'est pas marié. On n'est pas marié avec Jésus. Yeah, no. I mean, otherwise, there'll be a lot, he would have a lot of women. I mean, come on. Non. It's an energy. C'est une énergie. Yeah. C'est une foi. C'est une relation, une relation de la foi. Such a deep relationship. Mais tellement profond. So I haven't missed anything. I didn't lose anything.
elle a rien perdu, rien. En fait, ça lui manque pas. Il y a rien qui est parti, tu vois. C'est pas comme si elle avait perdu l'amour de sa vie, en fait. But I prayed. J'ai prié. I forgive. J'ai pardonné. Gave it time. But it was really, really God told me. Mais c'était Dieu qui lui disait vraiment que c'était. And this is God's will. C'est le chemin. I've heard women who, again, one story, she was married to a super drug abuser. Une femme qu'elle connaît était mariée à un homme complètement alcoolo et abusif. Crazy. And she came to salvation. Et elle a eu la salvation, elle a eu l'appel et elle s'est repentie, etc. And God said, step out of this crazy ride. Et Dieu lui a dit, sors de cette voiture folle, de ce chemin fou qui est là. And put in Jesus into laisse the Jésus conduire. Passenger seat. Toi, dans le sors de la voiture avec lui et laisse Jésus dans le siège à côté de lui. C'est pas à toi de faire. Pray and love him. So she always had God's prie voice saying, pray, love him. Love him. Mais tu n'en tu be ne there, parles plus but de Dieu. Don't be codependent. Voilà, ne sois pas codépendante. Sois là, fais ta vie. Tu pries pour lui, mais tu laisses Jésus s'en occuper. C'est pas à toi de t'en occuper. Oui, je dois avoir foi en fait, tout simplement. And she said one day, the car came back with her husband in the passenger seat and Jesus in the driving seat. And she said one day the car came back. Big mission in Sweden. Big, yeah. He's an artist. He's a hip hop. C'est un rappeur assez connu en Suède. Et elle dit, un jour, il est revenu et c'était lui dans le siège du passager. C'était Jésus qui le conduisait et il était là. J'ai une super mission. Et aujourd'hui, tous les trucs qu'il a à la télé et tout, il parle que de ça, que de Christ. Okay. So there is no right answer or wrong answer. I'm just giving you. Il n'y a pas une réponse juste ou correcte. Elle te montre juste des choses. Oui, oui, bah oui. In the bottom line, it doesn't matter when the Holy Spirit comes in. You are fed with the love. L'important c'est que quand l'Esprit Saint vient sur toi. An order, like you are just like yeah, whatever. You're at peace. Quand l'Esprit Saint vient sur toi, t'es en paix. D'être avec lui ou de plus être avec lui. Yeah. T'es tellement vraiment, quand tu ressens vraiment l'Esprit Saint et Jésus, toutes ces peurs, elles partent. It donc, doesn't become a reaction. The choice is not a reaction to bad behavior or. Le choix n'est pas de réagir face à un comportement abusif ou mauvais et jugé. Il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de trucs comme ça en fait. Alors, parce que c'est toi qui es aligné avec ta foi, c'est toi qui es. Alors, du coup, j'ai une autre petite question, si je peux. Have a question. Je peux. Vas-y. Ouais, ouais. Ah. Du coup, en fait, on dit souvent que là, je suis en train de voir que tout ce qui appartient au New Age, tout ce qui appartient à l'idolâtrie, aux livres, tout ce qui est à la maison, il faut jeter parce que sinon, on peut être attaqué ouais. Tant qu'on n'est pas baptisé. Même après. Il y a des choses qui appartiennent à lui. Yeah, she says that she heard that you need to throw away everything of the New Age that is in your house because it's a door for attacks. But she said, but the problem is in the house there is a lot of things that belongs to him, and she can throw his stuff away. Yeah. So what is it to do? Then it's not your portal. C'est pas okay. Ton portail, c'est pour lui, c'est les choses à lui. God knows your heart. Dieu connaît ton cœur. You're okay. Not a victim of somebody else's stuff or somebody else's choices. Tu n'es pas une victime des choses des autres et des choix des autres. Ok. Ça va, je suis rassurée de ce point de vue-là. Ta réponse ? Oui, merci. Oui. Amen. Amen. Yeah. God merci, really, really knows our heart. Dieu connaît vraiment, vraiment notre cœur. Vraiment. Merci. I had somebody the other day that thought she could not get baptized until she completed like a New Age course that she provided for clients.
Elle avait une cliente il y a quelques jours, quelqu'un qui est venu dans son groupe, qui lui a dit qu'elle pensait qu'elle ne pouvait pas être baptisée avant d'avoir terminé un atelier New Age qu'elle était en train de donner avec ses clients. And she thought that was why she was attacked, that she couldn't stop it before the contract. Et elle pensait qu'elle était attaquée parce qu'elle ne pouvait pas arrêter ce contrat qu'elle avait avant d'être baptisée. And I said, no, God knows your heart. And he is working with these people now. He's reaching people he would never reach before. And she's like, oh yeah, that's true. Like, elle a dit, non, Dieu connaît ton cœur et grâce à toi, il est en train de toucher des gens à qui il n'aurait pas pu parler avant, grâce à ce que toi tu fais. En fait, donc, il faut en parler. Yeah. Il a dit, so the attacks were more that she had been used to hide in the darkness. Donc, les attaques, c'était plus qu'elle se cachait dans l'obscurité et qu'elle n'osait pas complètement assumer qu'elle était avec Christ. OK. Okay. Ça a répondu à mes questions. Merci. OK. Eh bien, écoutez, merci à tous. Thank you so much, Suze. You know. Can we pray? Can we just finish to pray one thing? I know it's long. Non. C'est tard, mais on va finir avec une prière. D'accord? Et puis après, on va vous laisser. Okay. So thank you, Father. I pray for everybody who seeks the truth. Merci, Papa. Je prie pour toutes les personnes qui cherchent la vérité. And start to realize that the new age. Et qui commence à réaliser que le nouvel âge, le new age, is actually costing you. Leur coûte beaucoup, en fait. Et coûte beaucoup à toi, mon Dieu. Not just money. Pas seulement de l'argent. But precious time away from you, God. Et un temps précieux loin de toi, mon Père, Dieu. And the consequence, it really costs us the consequence of not being a spiritual authority over darkness. Les conséquences les plus chères aussi, c'est que nous ne sommes pas sur l'autorité suprême au-dessus du mana. I pray, God, remove the veil of deception. Je prie, mon Dieu, pour que tu enlèves le voile de la déception, mais du mensonge. Open their eyes to see the truth in Jesus' name. Ouvre-leur les yeux pour voir la vérité au nom de Jésus. To remember to test all the spirits. Pour qu'ils se rappellent de tester tous les esprits. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. And I pray, God, that you reveal your love for them. Et je prie, Seigneur, pour que tu... Let them encounter your love, if it's not now, but in the moment where they need it the most, and have that crack open for you. Je prie, Seigneur, pour que tu leur montres ton amour, pour que tu les pénètres avec ton amour, peut-être pas maintenant, mais peut-être au meilleur instant, au meilleur moment, que tu vas venir les craquer, les ouvrir et les pénétrer totalement de tout ton amour, Seigneur. In those moments, they authentically need you. Dans le moment où ils ont besoin de toi avec toute authenticité. And understand that they can't save themselves. Et qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. And instead, sort of thank you for your love, God, your grace, God. Et au lieu de ça, qu'il te remercie, Dieu, qu'il te remercie, Seigneur, qu'il te remercie pour ton amour et pour ta grâce, oh Seigneur. Send your Son to pay us free from all our sins and diseases. Tu as envoyé ton Fils pour nous libérer et payer notre dette à l'éternité, à nous tous. So thank you, God, for letting the faith fall on them. Merci, mon Dieu, pour laisser la foi tomber sur eux et les entourer. Faith in how quickly. Que la foi entièrement vienne rapidement. You can free us. Pour nous libérer totalement. To come back into relationship the way you created us. Pour nous rapporter à la relation avec la manière dont tu nous as créés originellement. To be in complete symbiosis with you. Pour être en totale symbiose avec toi. We are not good enough without you, God. Nous ne sommes pas assez à la hauteur sans toi, Dieu. Where we are weak, you promise to be strong. Quand nous sommes faibles, tu nous as promis d'être forts. Not our will, God, your will.
Pas notre désir, mon Dieu, mais le tien. And your will and your laws are love. Mais ton désir et tes lois sont l'amour. Amen. Amen. Eh bien voilà, quelle belle soirée passée ensemble. Merci pour vos présences. Merci aussi à Natalia. Alors, Fobolé, c'est quoi ton nom de famille, ton prénom? C'est Nancy. Nancy. Merci à Nancy, Natalia, Emeline et aussi à toutes les personnes qui étaient là. Sylvia, merci. Merci pour ton message. Pour Amaya, pour je ne sais pas qui, l'iPhone de l'agence, Plaza et la Mourou. Qui vous êtes ici, tous ceux qui sont restés avec nous du début jusqu'à la fin. On refera un petit zoom une autre fois. Je vous souhaite de bien, bien, bien prendre soin de vous. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et vous accompagne. Et rejoignez-nous sur le groupe de prière si vous voulez. Envoyez-moi un message. Plein de manières de se connecter. J'espère que que vous partez en paix et dormez bien. Have a beautiful night's sleep. Hein? Avec tout ce qui est parti et qui a été fait. D'accord? Prenez bien soin de vous. Vous pouvez quitter. Suze, I'll connect back with you on Messenger, OK? OK. Ciao. Au revoir. Ciao.